Bonjour, si tu écoutes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as décidé de relever le défi créatif dans des activités qui commencent par la lettre A. Alors voici ce que je te propose. Premièrement, de choisir dans la banque d'images un personnage qui commence par A. Alors je vais regarder et il y a le mot arc-en-ciel. Alors on a l'arc-en-ciel, mais il faut penser que les mots sont classés en anglais. Alors je clique dessus. Si je prends le petit chat, je vais pouvoir cliquer dessus avec la souris droite et peser sur la poubelle afin que le chat disparaisse. Alors, c'est bien important de commencer par mettre le lutin avant de commencer la programmation. Par la suite, si je veux programmer, je vais cliquer sur les blocs orange et je vais glisser au centre les blocs dont j'ai besoin. Alors, ça va faire que quand je clique sur le drapeau, mon programme va commencer. Alors, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, mon arc-en-ciel se déplace de 10 pas. Et ce que je voudrais aussi pour réaliser le défi, c'est prendre un bloc mauve et le faire parler pour dire bonjour. Je suis un arc-en-ciel. Alors, ça pourrait être tout simplement ceci, mon programme. Alors, regarde ce que ça donne en pesant sur le drapeau. Bonjour, je suis un arc-en-ciel. Si tu trouves que l'arc-en-ciel ne s'est pas déplacé beaucoup, tu pourrais changer le nombre et tu vas voir à ce moment-là que mon arc-en-ciel va se déplacer beaucoup plus loin. Alors, je t'invite à faire des projets beaucoup plus créatifs que le mien et de nous les partager. C'est important pour les partager d'appuyer ici pour s'assurer qu'ils soient partagés, de prendre le temps d'enregistrer. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu te sois créé un compte à l'aide de tes parents. Si tu n'as pas de compte, tu peux faire l'activité, mais elle ne sera pas enregistrée. Je te souhaite beaucoup de plaisir et j'espère te revoir demain pour un prochain défi.